J'espère que vous aimez les sushis, hein, parce que il va y en avoir toute la semaine, sushi à 19h dans The Big Gimowski. Pourquoi et d'où vient un tel honneur? Bah, tout simplement parce que il y a une licence en shmup sur laquelle il est intéressant de s'attarder. Parce que plus qu'une licence, plus qu'un titre qui a généré des petits, c'est un véritable laboratoire qui a été mis en œuvre. Et ce titre dont je parle, c'est Darius, le fameux Darius de Taito. Vous le reconnaîtrez sans doute, puisque dans les salles d'arcade, il n'était pas discret, il était loin d'être discret même. On pouvait voir que lui, vu que c'était une borne énorme, qui utilisait pas moins de 1, 2, 3 écrans, oui madame. Alors il y a des versions alternates aussi qui existent en double écran, mais notez que la version la plus répandue, c'est celle des 3 écrans, puisque les ingénieurs de chez Taito avaient réussi la performance à faire un borderless quasiment parfait à base de vieux CRT. Et quand on sait ce que c'est un CRT, bah déjà l'écran est pas plat, l'écran a de la profondeur, et arriver à donner l'impression qu'on a un unique écran ultra wide à base de 3 CRT, rien que ça c'était déjà une petite performance. Donc toute cette semaine, je vais vous parler de Darius. Je tire même pas, je suis un mec trop cool. Je vais vous parler de Darius et de ses différentes versions, puisque ce jeu est assez exceptionnel sur tout ce qu'il a essayé de mettre en place. Et notamment, on va essayer la version du premier en 3 écrans. On va essayer la version 2, dite Sagaya également, en double écran. Et puis on l'essayera également en triple écran, parce qu'on est des gourmands. Et je vous ferai voir aussi les versions alternate. Elle est dérivée sur console entre autres, et on verra qu'il y a eu quand même des gros soucis, puisque quand on fait un titre qui utilise une telle largeur d'écran, adapter ça pour les consoles à la maison et les micros en format 4 tiers, c'est loin d'être évident. Je vais passer en tuant personne, hein, je vous le garantis. Je suis un pacifique maintenant. Oui, je suis le baba cool des shmups. Et du coup, Darius a existé en version salon, puisqu'il fallait bien pousser la rentabilité au maximum sur ses titres, surtout sachant le pognon qu'il avait dû coûter en développement. Et du coup, on va le retrouver sur des petites consoles, comme la Mega Drive, la NEC, et différentes autres machines, où hélas, il subira l'outrage du cut en 4 tiers. Et on verra très rapidement que c'est plus du tout le même jeu, du coup. Oui, alors ne vous laissez pas attendrir par les piou-piou du jeu, c'est le seul truc joyeux que vous croiserez face à ces trois monstrueux écrans posés en face de vous. Puisque Darius, c'est une expérience avant tout. Je vous referai pas mon chapitre sur pourquoi l'être humain attrape mieux des pommes que des gazelles, mais sachez qu'il y a du vrai là-dedans. Le problème étant que pour le mettre en œuvre, il faut faire ça avec parcimonie. Qui c'est parcimonie? Je vais vous le faire voir tout de suite. Puisque qui demande un balayage sur 3 écrans à une telle largeur demande également des aménagements du jeu. Et on verra que sur ce premier Darius, il y a quand même eu quelques erreurs qui le rendent relativement difficile à maîtriser. Alors la prise en main, c'est pas évident, puisqu'il faut s'habituer à cette profondeur de champ. On se dit, j'ai le temps, mais en fait le temps vous l'avez pas tant que ça. Et non. Et merde, j'ai raté le bonus. Oui, puisque dans Darius, c'est super important de se récupérer les bonus. Que vous voyez en haut, à gauche, les trois petites cases qu'on peut augmenter. On peut augmenter la puissance de tir, on peut augmenter la puissance de la bombe. Et on peut augmenter la puissance de son shield, il me semble. Ah, papa. Shield qui vient de me sauver la life. Alors, autant vous dire que cet armement et ces augmentations sont précieux, puisque ça vous évitera de nombreux ennuis. Problème, quand vous redémarrez, si vous vous scratchez, vous redémarrez à poil. Et oui. Et ça, on n'aime pas trop par chez nous. Personne n'aime redémarrer à poil de toute manière.
Donc ça, c'est une des premières lacunes, en fait, de Zdarius. C'est que quand vous vous faites péter la gueule, eh ben, vous redémarrez à poil. La deuxième lacune, bah, elle est là, c'est qu'on vous remet en arrière. Et ça, c'est une chose que les devs vont comprendre très très vite, puisque ce sera corrigé directo sur le 2, où en fait, on va vous faire continuer d'avancer dans le scrolling, histoire de rendre votre expérience un petit peu moins douloureuse. Ah, c'est pattern à la con. Oui, c'est perturbant. Et ça marche très très bien du coup. Alors je suis désolé pour le son, j'ai des petits soucis à l'enregistrement en général. Qui font que, bah oui, ça merdoie. J'ai raté encore un bonus. Je suis malheureux. Une autre chose que va vous apprendre assez rapidement, Darius. C'est qu'il faut viser, les gars. Oui, c'est pas parce que c'est grand, c'est pas parce que c'est profond et qu'il y a quasiment de la place que faut se sentir à l'aise. Ah non! Le gars va pas vous laisser vous en sortir comme ça. Donc, étude du terrain assez précise et ne pas hésiter à canarder méchamment quoi, parce que c'est pas parce que les mecs arrivent du bout de l'écran que ça va bien se passer, je vous le dis. Regardez. Regardez-moi ce Bronx. Alors, je suis assez perturbé d'être arrivé jusque-là. Puisque normalement, c'est une performance qu'il me faut 5 crédits déjà pour arriver jusqu'ici. Ou que je l'aime ce shield, ou que je l'aime. Je l'aime d'amour, je crois. Gna 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 gna. Alors le truc rigolo du coup avec les trois écrans, bah, c'est qu'il faut pas hésiter à monter au front. Il y a des moments où se situer sur celui de droite, ça va être carrément mieux pour votre vie. D'autres où ce sera le médian, et puis d'autres où le côté classique à gauche ira très très bien, histoire d'anticiper un peu le bordel qui est en train de s'installer sur l'écran. Et je pense qu'en parlant de bordel, nous allons avoir un visiteur bulleux. Et oui, c'est lui. C'est lui, le grand méchant bleu. Enfin, il est un peu gris pour l'instant, mais il va pas tarder à bleuir, je pense. Là où tout le monde en retient Darius, bien évidemment, c'est pour ses graphismes qui sont fabuleux. Faut remettre quand même à l'époque, 1986. Donc vous avez ça devant vous, sur trois écrans. C'est bon, vous y êtes, quoi. Alors toujours dans les petits vises des Darius, bah, il faut précisément viser une partie hein, du boss pour pouvoir lui faire du mal. Sinon, vous tapez dessus, vous pouvez taper pendant une semaine d'affilée, ça lui fera que dalle, le gars il va rigoler. Donc là je sais pas trop ce que je vise, moi j'espère que c'est la bouche. Des fois ça peut être un nageoire. M'a rendu service ce shield. Joie. Je lui ai pété sa gueule. Adieu King Fossil. Alors les plus attentifs vont se dire, mais monsieur K, ton truc il est sur trois écrans, on voit même pas la jointure. À l'époque c'était des CRT quand même. Ouais, c'est clair que c'était des CRT. Donc des CRT, ça veut dire que bah, y a un gros tube derrière, c'est un tube cathodique. Hein. Je sais pas ce qui m'attend, je vais arrêter de parler, là, je suis inquiet. Non, non, non. J'ai changé d'embranchement, en fait. C'est le passage Outrun, puisque ça aussi, c'était une des particularités du titre. Il vous permettait de choisir votre prochain tableau. Sachant que, d'une manière générale, les tableaux sur les parties supérieures ont une course moins compliquée que sur les parties inférieures. J'étais en train de dire un truc, moi, sur les jonctions des trois écrans. Oui. Alors, comment ça se fait qu'on ne voit pas les jonctions de ces trois écrans? Oh, ce que c'est fourbe, ça. Non, 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 non. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a de l'astuce, surtout. Et l'astuce est la suivante. C'est que pour faire juxtaposer sans voir les jointures trois écrans, la meilleure astuce,
En fait, c'était d'en garder un en face du joueur, le celui du milieu, et puis de faire réfléchir par des miroirs deux autres de chaque côté. Comme ça, avec le jeu de miroir, on pouvait rattraper la jointure et la rendre quasi invisible. Allez, je vous fais voir le schéma. Et c'est comme ça en fait que Taito a réussi à faire un montage de ces trois écrans qui donne l'illusion parfaite d'avoir un ultra panoramique alors qu'à l'époque on avait juste des tubes cathodiques en 4 tiers. Quoi. C'est chaud, je sais pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici moi. Mamma mia Figaro. Ah. On va focus un peu les amis parce que je ne connais pas hein, Darius, je ne bullshit même pas. C'est un jeu que j'ai jamais eu la chance de parcourir. Donc c'est ma vraie découverte. Et je suis un peu surpris d'être arrivé jusque là. Est-ce que l'effet... profondeur d'écran marche du coup? Ouais, surtout que c'est pas trop chargé hein, sur ce qui arrive à droite. Apparemment ce niveau c'est surtout du parcours. Et du coup, bah, zut, flûte, crotte, et boum, je vais repartir en arrière, ça va être moche. Non, je continue, on lâche rien. Mec, t'es dans TBG, tu vas faire honneur au jeu, tu vas faire honneur à l'émission surtout. Comment je le passe, lui? C'était trop risqué, ça, les gars, je referai plus jamais. Tire pas. On est des petits Fonzie, on va rester cool, hein. On va faire ça. Du gris, des couleurs, des bonus. Je vais pas m'en sortir là, je sens. Oh. Quelle perversion dans ce niveau. Ça va être chaudard. Aïe. Laissez faire. Ah, papa, j'avais oublié ça, moi. Et je crois qu'un ennemi énorme approche. Veut-il un gros bisou, un hug? Je sais pas, mais ce électrique fan B me semble peu comestible, on va dire. Alors c'est dommage que les musiques soient ruinées sur cette version, je suis désolé. C'est encore des bulles. On me la fait pas. J'ai aucune idée de la tronche du boss. Je le découvre en même temps que vous, si vous n'avez jamais vu ce jeu. C'est quoi? D'accord, c'est une petite anémone. C'est gentil les anémones. Ah mais c'est électrique, oui. Hein? Oh, j'ai déjà mon shield qui s'est barré. Je le sens pas ce boss. Je crois qu'on va on va plier rapidement. Ah oui, passe le... Non, passe ça. Hop. Oh putain, faut tout le temps bouger. Ah. Non. Non. Mais même sans la langue, je veux pas. Je veux pas. Non. Oh, c'est pénible. Alors, autre particularité des Darius. Vous la remarquez toute seule, hein, cette particularité. Oui, on a commencé quand c'était lundi? Mercredi? Oui, mercredi, c'est le jour des chemins dans TBG. On a commencé donc mercredi. On est quel jour maintenant, jeudi? Il est long le bougre, il est long. Et il m'envoie des trucs. Alors ça c'est si je suis trop long. On m'envoie des trucs pour me foutre le bordel. Parce que j'ai été super trop long, je suis puni quoi. Et franchement, moi, un mec qui met du temps comme ça, qui en bave, au contraire, je lui enverrai un bonus. Et je me suis éclaté sur le plafond. Bon, faut pas que je me transforme en Hulk, j'ai plus trop de chemise. Donc du coup, oui. Darius, c'est peut-être une de tes qualités, mais c'est aussi un de tes défauts. C'est la longueur de tes boss, des fois, c'est hallucinant. On est là, on commence un lundi, et on finit, c'est la fin de la semaine, hein. On n'a pas vu passer le temps. Alors qu'on est encore sur le même boss. Ah! Oui, ça pianote. Je pianote parce que j'ai pas d'autre technique. Et comme d'habitude, le pad est posé sur mes genoux. Oui, pour que j'accède aux deux boutons, ouais, tranquille, de deux doigts. Ça s'entend bien, hein. Picou. Est-ce que mon calvaire va arriver à terrasser ce boss plutôt que de continuer? Vous le saurez après la coupure, et j'en bégaye, la coupure pub quoi. Attention, te scratch pas sur le plafond. C'est ma méchante tendance ça. Ah.
Earth, and you're the star warrior who takes them on. Zexus, with adventure, maze, and shooting stages, all in one video game. Zexus, Space Spectacular. Look for it today. By Hudson Soft. For Nintendo. Si on te scratch pas sur le plafond, c'est ma méchante tendance. Ah, 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 ah. On y va. Non, pas pour moi les... je pourrais avoir un shield, les gars. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, si vous paumez vos bonus, vous l'avez dans un vieux compte russe, quoi. Alors, autre fourberie du jeu, et ça faut être assez observateur pour le remarquer. Comptez mes tirs. J'ai beau piatonner comme un... ce que vous voulez. Pianoter de manière frénétique en tout cas. Je n'ai que 4 tirs sur l'écran en simultané, oui. Ah, il est mort, jouasse. Mais quand même, c'est relativement traître d'avoir une telle longueur d'écran et de pouvoir balancer que 4 tire en guise de purée pour impressionner l'ennemi. L'ennemi vous voit faire avec vos 4 piou-piou, il se marre. Donc du coup, ça rajoute encore à la difficulté de ce Darius, qui dans son idée géniale de nous faire profiter d'un format widescreen assez hallucinant, ne s'en trimballe pas moins des défauts de gameplay qui sont assez pénibles et qui le rendront réservé à une certaine élite, hein, faut aimer. Je ne rush pas vraiment, monsieur, si vous voulez être honnête. Mais je suis sur mes gardes, ça c'est clair. Car je sens que... Alors, est-ce que j'ai le droit de passer dans ces rochers? On va vérifier tout de suite, là, j'ai le droit. Par contre, j'ai le droit parfois. D'autres fois, moins. Ok, je note. Alors, c'est pas très clair, ça. Va falloir me... Infirmière, trouve-moi le manuel de ce jeu. Je comprends rien. Des fois j'ai le droit de passer à travers, mais là, moins. Non. Ah, ça y va. Vous devez entendre plus le pad que la musique du jeu, j'imagine, mais SF. Je souffre pour vous, les amis, je souffre, hein, je vous le garantis. Et je vous rappelle que Monsieur K n'est pas scroller horizontal du tout. D'ailleurs, ça se voit un petit peu, je pense. On va se casser courageusement, c'est ma technique. Hop là, on est bien au milieu. Non. Vous l'avez entendu ce nom au moment où le shield arrivait, vous l'avez vu? Oui, cette boule verte là-bas, salvatrice. C'était ce que je désirais le plus au monde. Le shield, le saint shield. Car il est courant qu'en général, les gens qui savent jouer à Darius se démerdent à récupérer un shield et fassent quasiment tout le jeu avec le vaisseau bien shieldé. Comme ça leur fait 2-3 droits à l'erreur. Et pour le reste, ça passe à peu près crème et ça les laisse focus pour essayer d'augmenter l'armement. Chose que j'arrive pas à faire depuis tout à l'heure, là, c'est dramatique. Le jeu est radin sur ses bonus. Il est radin. Il a aucune compassion pour le joueur qui perd. Il aime pas les joueurs qui perdent en fait. Ce jeu est fait uniquement pour les winners. Yes! Ah papa! Moi je veux le vert, je veux le petit vert là-bas. Je l'ai repéré, il y a un verre là-bas dedans. Il est où? Il est où? Pourquoi il apparaît pas? Pourquoi personne ne veut me donner mon verre? Allez tous, vous auto-vomir. C'est chaud là. C'est chaud. Quand on connaît pas, c'est super chaud. Je déteste. Profondément. Salutations, je te déteste. Le truc en bas, il arrête pas là. Il y a un côté scramble hein, avec ce relief qui vous fait des misères au passage. Des fois, il peut vous permettre de vous cacher, mais la plupart du temps, il vous emmerde. Mieux, je passe. Oh, c'est le bordel ce passage. Qui c'est qui a fait ça? Ah, papa, qui c'est qui a pété? Non, qui c'est qui a fait ça? Oh là là. Heureusement que j'ai un tir de mes bombes air sol qui est pas mal foutu. Ça, c'est bien, ça. Je voudrais un verre. Tu peux avoir un verre? Non. Ok. C'est dommage parce que je pense que le verre m'aurait servi.
Je pense que ce boss est double. Double de quoi? Alors, on va le voir tout de suite. Bubule? Bubule. Oui, c'est le syndrome Nemo. Bubule, bubule, bubule. Eh ben oui, des bubules encore. Allez, les bubules, c'est gentil, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une crevette? Ça va, la crevette? Pas la gueule? C'est quoi tes parties sensibles? Tu me tires dessus là? Ah, tu sais, j'en étais sûr. Oh bah non. Mais pas comme ça. Mais non, on se connaît à peine. Dis donc. Eh, canaillou. Little canaillou. You are little and you are canaillou. Alors, toujours 4 tirs. Hein. 4 tirs. Observez bien. 4 tirs. Je peux pas en avoir un de plus. C'est dommage. J'aimerais bien un rayon laser continu en fait. 36, 15 sa vie. Il veut pas. Si je me scratch juste avant qu'il crève, je vais être vénère. Mieux. Oh joie, oh bonheur, regardez comme monsieur K est fort aujourd'hui. Ah oui, donc pour une fois que ça arrive, j'en profite. Je m'attendais à vraiment être plus mauvais sur ce Darius. Dans quelle zone allons-nous éparpiller notre terreur? Ah, et un autre petit détail sur lequel on revient pas trop en général, c'est le côté mercantile. Oui, parce que Taito a quand même trouvé le moyen de vous faire une borne où peuvent s'affronter deux joueurs, collaborer deux joueurs. Et on verra plus tard, il y aura même des bornes où il y aura trois joueurs. Oui, trois monnayeurs. Miam miam, une patate, pièce. Oula, c'est une quête à la musique là. Je dois réellement passer entre ces trucs là? Ouais, je présume que oui. Ça va être moche, je sens. Ce niveau, je crois que ça va être le niveau final pour moi. Je vous laisserai découvrir les moult niveaux de ce Darius par vous-même. On a dit quoi sur le t-shirt? Not from... Ah putain, il tire en plus. From behind, les gars. The behind? You don't touch? No. I don't want. I don't want. Shield. Je me sens un peu mieux. Pardon. On va focus un petit peu sur les méchants à droite. Je vais la jouer. Je vais monter au filet. C'est comme ça qu'on dit. Ah bah ça tombe bien, ils arrivent tous à gauche, c'est con. Et ils m'ont tiré dessus? Ouais, j'en doute pas. Ah, plip, hop, plip, la plip, plop, plop, plop. Pour l'instant, je me démerde pas trop mal. Hein. Malgré. Je pense qu'il faut passer là. Hein. Oh, tous ces bonus. C'est l'orgie, hein. L'orgie romaine. J'ai jamais eu autant d'armement. Bon, faites comme si vous entendiez pas les hein. Faites comme moi. Hop, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi? Oh, le shield, il s'est fait pourrir, quoi. Je crois que ça va être bientôt la fin, là. La mienne. Hein, pas la leur, on avait bien compris. Eux, ils sont tranquilles, ils sont pépouses. Ça vient tout par derrière, là. Pire. Bon, lui, je lui ai fait la peau parce que vraiment, il était pénible. Et alors, ces missiles qui jaillissent du sol et changent de direction, zut. Et changent de direction pour vous foncer dessus, c'est... Des fois, on se laisse oublier, on oublie, on se laisse emporter. Le vert, c'est du shit. Non! Purée. Il y a vraiment de la tension dans ce jeu. En deux mots, hein. Pas de l'attention. Oh la vache. Chiennerie, merci. Oh, ce shield, je l'aime. Qu'est-ce que serait la vie sans mon shield? Ah. Oh, lui, il est défoncé, lui, avec son petit crapaud, là. Et moi? On va le laisser faire le malin, hein. Il se croit malin, on va le laisser y croire. Attention, il y a un gros truc qui va arriver, je crois. Gros glouton. Je m'attends au pire. Un Pac-Man géant.
Laisse-moi deviner, des bulles. Oh, des bulles. Des grosses bulles. Alors, je me mets bien contre à droite pour le début. Ça me semble logique. J'ai droit qu'à 4 tirs en même temps. Donc, du coup, il sort plus vite de l'écran si je rate. Donc, du coup, je peux tirer plus vite derrière. Mais c'est une dorade. Une petite dorade avec du citron. Hein. Je vous cache pas que je vais me faire un plat de sushi juste après ce jeu pour me venger. Oui, j'ai plus de compassion pour les poissons, c'est fini. Puis de toute façon, les poissons, c'est de la bouffe. C'est pas des amis. Faut pas croire ce que vous disent les requins. Ils sont trop gentils, les requins, maintenant. Ah, en fait, ça peut être tout seul, ça. Ok. Oh, la musique, ça fait trop bizarre, vu comme ça. Plip, ploup. Quoi ? C'était limite trop facile, il y a une embrouille, là. Il y a baleine sous gravillon, comme on dit, monsieur. Monsieur. Sérieusement? Non, mais tu vas pas me laisser comme ça. Le plat est pas terminé, là. Il manque encore des condiments. L'accompagnement. Je suis surpris. Alors, je confirme que la partie supérieure du jeu, c'est un run plus simple. On rush toujours pas les gars, mais je suis sur mes gardes. Comptez sur moi. J'ai un bel armement. Et il me manque quoi? Un shield? Ce serait génial. Je serais content avec un shield. Avec deux shields même. Peut-être trois. Je pourrais avoir des shields. Des shields. S'il vous plaît, des shields. De l'argent. Non, des shields. De l'argent. Non, des shields. Je veux juste un shield. C'est quoi ce laser pourri? Il est nul. J'aurais jamais dû prendre ce laser. C'est un suicide. Quoi, j'ai pris ce laser. Alors il pète plusieurs trucs à la fois, c'est bien. Enfin, il est dans l'axe. Et ça, c'est un shield, ça. Ça, c'est un shield, faut que je l'ai avant de me faire toucher. Non, c'était pas un shield, bordel. Vide. Pas terrible quand même. Alors pour l'instant, ils ont l'idée de tomber loin de moi, c'est pas mal. Mais je ne doute pas qu'ils vont se mettre à tomber sur l'écran de gauche à un moment ou à un autre. Histoire de me faire des gueules là. Ah, le shield sauveur, juste au bon moment. Oh, je t'aime, toi, Schmiork. Bon, je vais pas réitérer mes excuses pour la bande audio qui est massacrée à l'émulation, mais on fait ce qu'on peut déjà. Que je sois arrivé jusqu'ici, c'est un petit miracle. Normalement, je devrais avoir inséré le PIB d'un pays en voie de développement. C'était Shao. Ah oui, Shao, hein, le show, ça suffisait pas. Il y a un truc qui est marrant, et qui sera modifié hein, sur la version suivante, il me semble, de Darius, qui est donc Darius 2, également connu sous Sagaia. C'est que là, on change pas de direction. Et ça, c'est une chose qui va être implémentée dans le jeu, dans les versions suivantes, puisque trois écrans, autant en profiter. Et par exemple, il y a des boss qu'il faudra vaincre en tournant un petit peu autour, parce que les gars, ils viennent squatter votre côté gauche de l'écran, quoi. Sans même vous demander rien, que dalle. Ils payent pas de loyer. Bref. Vous êtes triste. Ouh. Plus jamais. Never again. No, there's no limit. Aïe. Comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici, moi, je comprends pas. Je suis subjugué. Oui, je fais le plein de bonus parce que... Ah, le missile dans mon... Je crois qu'il y a un gros truc qui arrive en plus pile au mauvais moment. Infirmière, crampe de doigts. Non, pas le vibreur. Non, c'est pas bon. Je vais me débrouiller. Laissez-moi des bulles. Ah. Alors, 4 tirs et des bulles. 4 tirs et des bulles. 4 tirs et des bulles. Et il va m'envoyer quoi? Un espadon. Je suis content parce que ça aurait pu être un bar. Et vous connaissez le dicton, parfois... Vous mangez le bar. Mais parfois c'est le bar qui vous mange.
Hein? Non, c'est pas ça? Aïe, aïe, aïe. Bim! Je crois que ça va être notre dernier boss. En plus, je regarde le chrono. 28 minutes de gameplay. Oui, sans compter l'intro. Il va y avoir des coupures, moi je vous le dis. Alors, vous faire voir tout le jeu, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Le mieux, c'est de le pratiquer. Et le mieux, c'est de le pratiquer sur sa borne d'origine, puisque c'est vraiment impressionnant d'avoir un placard avec trois écrans dedans. Et tout ça pour vous faire jouer et queener. Ce que je vais faire, je vais vous mettre un petit panaché des différentes choses que vous pourrez croiser dans Darius, tout simplement. Selon les différentes routes que vous allez emprunter. Et oui, parce que qui dit différentes routes, dit différents tableaux, et donc différents boss. Et vous verrez que c'est pas pour rien qu'on respecte grandement les graphistes de Darius. Puisque au-delà de la performance technique, le jeu graphiquement, c'était quand même une belle claque.